What's up les gars, c'est Céane Garnier et aujourd'hui on est dans le nouveau stade de Lyon et on a un gars un peu spécial qui va nous faire un petit tuto aujourd'hui, le contrôle orienté. Bon voilà Clément, comment tu fais ce contrôle ? Il faut être bien sur les appuis pour pouvoir bien repartir. Après bien évidemment le ballon, le contrôle est important pour garder le ballon le plus proche. Quelle surface du pied tu utilises pour le contrôle ? Le plat du pied pour orienter le ballon. Non, j'aime bien ce passe contrôle parce que pour aller vers l'avant, vu que j'aime bien jouer vers l'avant, derrière la jambe d'appui, pour essayer de déstabiliser le défenseur. Donc vous avez bien compris, déjà il faut bien insister sur lire la trajectoire du ballon, ensuite positionner son corps et laisser la balle légèrement passer derrière sa jambe d'appui, et ensuite de ça prendre son intérieur du pied pour changer de direction et aller du côté du but pour marquer. C'est ça ? C'est ça. Et quels sont les petits conseils que tu donnerais un peu pour l'apprendre ? Ah, il faut travailler, mais je pense que t'en es capable. Bon, j'ai la pression, je vais voir si j'ai bien appris, si je suis un bon élève. Bon, comme tout footballeur, c'est très important d'avoir les deux pieds, donc là, j'essaye mauvais pied. Donc vous avez vu, c'est pas forcément évident. Comme je suis freestyler, j'ai essayé une variante. Donc en 360, il faut juste tourner son corps dans le côté opposé et ensuite suivre le ballon. Et aussi, c'est important de travailler les deux pieds parce que quand t'es un bon footballeur, c'est important de savoir aller à droite et à gauche. Bah merci Clément de nous avoir accueillis ici au stade. Bah merci à toi de l'invitation, j'étais très fier de partager ce moment avec vous. On a fait un challenge avec Clément, un challenge qui est sur la chaîne S3, regardez juste là. Je peux vous dire, comme on dit en anglais, he gets some takers. Il a du skiz, l'homme là, ici. Donc en tout cas, merci. Nous, en tant que freestyler, t'inquiète, on suit le championnat de France. On te souhaite bonne chance pour la fin de la saison. Et on est avec vous. C'est gentil, merci. À bientôt. Ah ouais, n'oubliez pas. Vous voyez ce maillot de l'OL ? Il sera signé et il sera à gagner. Dans les commentaires en dessous, vous allez me dire en quelle année, non, à quelle date le stade a été inauguré. C'est parti, celui qui me répond ça dans les commentaires, il gagne le maillot. Peace !